Bien le bonjour, vous vous trouvez sur Adroft pour une présentation du jeu Gunpoint. Gunpoint est un action-stratégie-infiltration qui est sorti en juin 2013, qui possède une ambiance musicale et une histoire qui sont très appréciables, qui a été développé et édité par Suspicious Development, qui ont notamment travaillé sur Floating Point en 2014 et Morphblade en 2017, que je ne connais pas. Il y a un petit point, le jeu est entièrement en anglais. Donc je vais vous traduire les passages que nous verrons, autant que possible. Et donc c'était le tout début du jeu. Donc quelqu'un nous appelle et me demande, est-ce que vous venez juste de passer à travers une vitre? Non. Je travaille dans une compagnie de fusil en face de la route et je viens juste de voir quelqu'un qui vient de traverser la fenêtre de votre appartement. J'ai pas envie de parler de ça. En fait, j'allais appeler à propos de quelque chose d'autre, mais là, je suis un peu plus intéressé par ceci. Eh bien, allons-y, qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Selena Delgado. Mon patron Rook a dit que vous étiez un espion en freelance. Je pourrais avoir un travail pour vous. Vous voulez monter? Ok, laissez-moi rentrer. Et c'est parti. Donc, eh bien, nous allons passer par le chemin qui nous est prévu, par la porte. Et là, c'est un problème. C'est assez méchant quand même, hein. Donc, on prend l'ascenseur. Et puis, eh bien. Ah, voilà. Il y a marqué que si ce n'était pas déjà évident, les grandes chutes ne vous tuent pas. Très bien. Effectivement. Elle est morte, donc nous continuons. 37 secondes plus tôt. Félicitations pour avoir acheté notre nouveau Bullfrog Super Pantalon. Attention. Un saut de puissance maximale peut casser des vitres, les plafonds et les enfants. À utiliser uniquement en extérieur. Et après cette petite intro, nous sommes lancés dans le jeu. Donc, comme vous avez pu le comprendre, nous sommes un espion. Qui se fait, qui contacte tout le monde en fait directement via son téléphone. Conway, c'est Melanie Rook. Selena Delgado travaille pour moi. Vous avez le temps de parler? Bien sûr. Je ne l'ai pas tué. Comment vous connaissez mon nom? On veut dire bien sûr. Je sais que vous n'avez pas tué Selena. J'ai juste regardé la vidéo. Vous êtes rentré, enfin, vous êtes passé devant la caméra de sécurité. Après que le tir ait été effectué. Mais à la police de East Point, ils ne vont peut-être pas regarder les évidences de la même façon. Cette vidéo de vous à la scène du crime, j'ai dû leur envoyer. Alors pourquoi vous vous intéressez à moi? Et je suis d'accord que je suis foutu. Pourquoi vous vous y intéressez? Selena était une amie. Je veux que son vrai killer soit pris. En fait, je le veux mort. Mais une fois qu'elle sera en prison, ce sera facile. Je dois envoyer cette vidéo si je l'ai. Soyez sûr que je ne l'ai pas. J'ai effacé ma copie, mais les caméras ont des sauvegardes dans 5 data centers différents. Donc si vous pouvez tous les effacer, vous serez libre et la police sera obligée de trouver le vrai tueur. Pourquoi vous ne pouvez pas les enlever vous-même? Ça semble assez facile. On va lui demander pourquoi. Si vous pouvez les effacer, il n'y aura plus de sauvegarde. Je comprends pas trop bien le sens de cette phrase, mais bon. Allez au data center à Porthcawl. Je m'arrangerai pour que la porte soit ouverte, mais vous allez devoir y aller vous-même. Elle s'est déconnectée, donc nous pouvons arrêter l'appel. Donc voilà,
menu qui est fort simple, hein, les missions qui sont ici. Le magasin, bon, les deux premiers sont obligés d'être achetés pour le bon déroulement de l'histoire, vous n'avez pas le choix, vous ne gagnerez pas plus d'argent, enfin voilà, tout sera fait pour. En revanche, tout le reste, enfin tout ceci, c'est à votre bon vouloir, et celui-ci, bon, vous ne pourrez l'acheter qu'à un moment particulier. Je vous conseille d'acheter celui-ci assez rapidement, qui vous permet de pas de faire de bruit lorsque vous sautez. Celui-ci n'est pas très intéressant, puisqu'en général, quand on vous tire dessus, c'est-à-dire que vous êtes détecté et donc que c'est le bordel, donc autant ne pas jouer avec le feu. Ceci est très intéressant et vous permet de casser les vitres sans faire de bruit. Par contre, il faut cliquer dans votre seau, mais très très bon. Celui-ci est particulier, ça permet d'électrocuter des gens sans avoir nécessairement besoin d'avoir un électrocuteur à côté, juste en le reliant. Celui-ci est très rigolo, mais bon, c'est pareil, c'est particulier, parce que de fait ils vont vous détecter, mais ça permet de désactiver les fusils. Et enfin le revolver, bon, ça, moi je n'aime pas trop, parce qu'une fois que vous avez tiré, vous avez un timer qui se déclenche, et bon, c'est pas discret du tout, donc bon, voilà, c'est... Mais ça peut être intéressant, à la limite. Et ça permet de défoncer les portes, c'est génial. Et enfin les upgrades, alors il y a deux possibilités, soit des sauts, donc d'augmenter la vitesse et la distance, c'est le plus important, vraiment. Et le reste c'est juste pour que les sauts se chargent plus vite, c'est pas nécessaire. Donc nous allons pouvoir continuer l'histoire. Donc, la vidéo a été envoyée à 5 endroits différents. Voici le plus proche, allez-y, effacez les données. J'accepte. Au sommet du bâtiment, il y a un serveur avec un computer à côté, un ordinateur. Si vous pouvez y aller, vous pouvez effacer les évidences qui montrent que vous étiez dans le bureau où Selena a été tuée. Et comment je rentre dedans? Je me suis arrangé pour que un technicien vous ouvre la porte. Bon, le système est hackable depuis cet endroit. Et comment j'efface les données? J'ai vu la vidéo. Il me semble que vous avez les capacités. Une fois que vous serez dedans, le script que je vous ai envoyé effacera automatiquement tous les points MP4. Très bien. Elle s'est déconnectée. Il faut savoir que vous pouvez passer toute l'histoire si vous en avez envie. C'est juste qu'il y aura... Ah, vous manquerez quelque chose de l'ambiance du jeu. Mais vous pouvez parfaitement rusher l'émission. Le jeu peut se faire en 2-3 heures si vous allez très vite. Vous prenez un peu plus de temps, vous faites tous les succès, vous pouvez découvrir plus de choses. Alors, on va sauter. Donc oui, c'est un peu une sorte de Spider-Man des temps modernes. Donc le but, bah, c'est juste de rentrer. On prend l'ascenseur. Alors là, je vais vous montrer que cette fois-ci, mais il y a un petit ordinateur, et il y en a plusieurs qui sont répartis à différents endroits, qui vous permet d'avoir une petite, des petits détails sur l'histoire. Bon, je vous laisserai découvrir cela si cela vous intéresse. Il y en a assez régulièrement. Et voilà, je peux hacker. Alors je pourrais redescendre, mais on va plutôt passer par la fenêtre. Plus rapide. Et voici. Donc là, vous êtes noté. Là, c'est indicateur s'il y avait des ordinateurs ou pas. Bon, c'est la note maximale, hein, le A+, donc vous n'avez pas besoin de faire vraiment mieux. Et voici l'argent. Et à chaque mission, vous gagnez un point d'upgrade. Donc il ne faut pas oublier d'aller le dépenser juste après. Bon travail. Merci. Bon, pas vraiment. Passer au travers de portes déjà ouvertes est ma spécialité. J'aime beaucoup cette réponse. Bon, j'ai entendu dire qu'il y avait donc 4 autres endroits qui sont un peu mieux gardés, mais rien qui ne devrait vous embêter. Voici les adresses dans l'ordre. Mais honnêtement, je ne sais pas à quel point vous êtes bon. Oh. Ok. Vous verrez un briefing sur la prochaine mission à Prone Mode Drive. Prenez-le.
Très bien. Upgrade, on augmente le saut. Bon, on ne peut toujours pas prendre le crosslink, qui est en fait le vrai intérêt de ce jeu, hein, vous allez le voir. Bon, allez, là-bas pour la deuxième sauvegarde. Bon, il y a deux gardes qui travaillent. L'usine de Westfield a une meilleure sécurité. Mon gars peut ouvrir la porte de devant pour vous, néanmoins la porte du serveur est sécurisée. Deux gardes y travaillent ce soir. N'importe lequel peut ouvrir la porte du serveur, donc arrangez-vous pour qu'il le fasse. Ce n'est pas un peu le travail opposé d'un garde? C'est le cas, mais ces gars-là passent plus de temps à s'arranger avec des problèmes électriques qu'avec des espions professionnels. Cela ne devrait pas être trop dur de vous arranger. Donc voici des gardes. Enfin, le début. Alors on peut faire un truc très simple qu'il nous apprend là à l'instant, c'est vous sauter, vous leur sautez dessus, vous leur mettez un pain, et voilà. Ils sont hors d'état de nuire. Et pour l'autre garde, c'est là... Oh, un petit ordinateur. L'autre garde, en fait, je ne peux pas ouvrir cette porte là. Ce n'est pas possible, seulement les gardes peuvent l'utiliser. Donc on va éteindre la lumière, ce qui va forcer l'autre garde à venir et à rallumer la lumière. Alors là j'ai deux possibilités, soit je passe tranquillement quand il fait demi-tour, soit sinon je lui saute dessus comme l'autre et je peux aussi le rendre inconscient. On va faire ça un peu plus discrètement. Ah, trop tard. Bon bah très bien, comme ça je vous aurais montré comment on meurt. Donc quand vous mourrez, vous pouvez reprendre votre sauvegarde. Très bien, on va faire ça discrètement. Voilà. Hop, et voilà le travail. Voilà, c'est pour montrer un peu les différentes approches possibles. Ah, par contre, vous pouvez tous leur éclater la tête, hein, tout à fait, hein, c'est tout à fait envisageable. Alors voilà, elle me demande le crosslink, et de toute façon, oh, c'est étrange, on a pile poil l'argent qu'il faut pour pouvoir l'acheter. Donc nous continuons. Je ne peux pas ouvrir la porte du serveur, et il n'y a pas de garde qui travaille. Vous devrez le faire vous-même. Comment ? N'importe quel bâtiment des 20 dernières années a mis tout le système électrique sur une seule grille. Donc ainsi, avec n'importe quelle application adéquate, vous pouvez le hacker. Si vous avez un crosslink, vous pouvez voir toutes les connexions du bâtiment, et donc arranger celle-ci, afin de faire comme vous le sentez, à savoir faire qu'un interrupteur de lumière ouvre une door, par exemple. Qu'est-ce qu'un crosslink ? Oh, c'est juste une application pour téléphone qui vous laisse hacker n'importe quel bâtiment et matériaux. Certains geeks en sécurité l'ont mis en bêta fermée, et seulement les personnes, le personnel, l'espionnage et quelques enfants malveillants l'utilisent. Ça ne semble pas être une très bonne application de sécurité. Ce n'est pas le cas. N'importe qui s'attend à avoir affaire à un hacker, mais c'est les données importantes sur un système isolé. Ce qui fait donc des données qui sont des sauvegardes, de sauvegardes, de sauvegardes. Ils sont plus inquiets à propos de problèmes de sauvegarde que des espions. Compris. Et enfin, le début. Donc avec la molette de la souris, nous pouvons accéder à la vision des systèmes électriques qui nous permettent donc là il y a un petit ordinateur, de changer tout et par exemple de brancher d'abord l'interrupteur à la porte pour l'ouvrir et la fermer. Mais je pourrais aussi connecter les deux ensemble et donc éteindre la lumière en même temps. Et je peux faire de grandes connexions à travers tout le bâtiment. Alors après, le jeu se complexifie en mettant différentes couleurs, et de fait, vous devez avoir accès
un décodeur et avoir accès à un certain endroit dans les bâtiments pour pouvoir utiliser, pirater cette couleur-là. On continue d'augmenter notre saut, hein, qui commence à devenir assez intéressant. Alors le prochain terminal est Loxley Close. Attention avec les prises électriques. Elles peuvent émettre un choc si vous crosslinkez avec. Oh, c'est intéressant. C'est très intéressant. Bon, alors le premier garde, on va le calmer directement. Oh. Voilà. Et donc, on va pouvoir connecter l'interrupteur à la prise électrique. Et voilà. Le garde n'est plus un problème. Alors, j'aimerais bien que tu ouvres cette porte-là. Merci. Donc voilà, tout est une question d'infiltration, de timing parfois, puisque certains gardes pourront se déplacer. Et de stratégie, un petit peu. Bon, la dernière, vous allez à Gershwin, qui est plus gardée, mais après il n'y aura plus aucune preuve qui pourra vous relier à l'affaire. Alors, c'est un grand bâtiment et il y aura trois serveurs qu'il faudra hacker. Vous voyez quelqu'un pour votre addiction sauvegarde? Bah, vous savez, on ne sait jamais quand un meurtrier suspect va essayer de tous les effacer. Vous avez raison. Vous pouvez le savoir si vous l'embauchez. Je pense que vous devriez actuellement faire encore plus de sauvegardes. Je vous réponds ceci. Bonne chance. Voilà, ça me précise. Elle ne répond pas aux blagues. Alors, il faut se méfier quand un garde est contre une fenêtre. Il peut vous voir. Voilà, il a un champ de vision. Alors là, heureusement, j'ai ce petit bout de promontoire qui empêche. Mais sinon, il me verrait et il pourrait me tirer dessus. Donc là, on voit qu'on peut rentrer par ici et par aucun autre endroit. Donc, allons-y. Alors, comment faire? Donc il faut atteindre ce terminal ici et ici. Pour cela, alors, on va déjà ouvrir la porte en bas. Ça, c'est la base. Ensuite, on va désactiver la caméra ici. Parfois, il faudra utiliser la caméra, mais si ce n'est pas nécessaire, autant la désactiver. Ça vous évite quelques détours de scénario. Alors ensuite, on va pouvoir éteindre la lumière en bas. Non, mieux que ça. On éteint et on enlève le moyen de la rallumer. Donc le garde maintenant est obligé de faire sa ronde. Alors il essaye de le rallumer, mais ça ne marche pas, puisque j'ai désactivé. Donc maintenant, il va tout le temps se balader. Donc déjà, bon, ça suffira pour le moment. On peut aller de l'autre côté. Alors quand il fait noir, leur vision est seulement très très proche. Néanmoins, faut toujours pas essayer de leur sauter dessus directement quand vous êtes devant eux, parce que sinon ils vont y arriver quand même. Alors moi, j'aime beaucoup faire une petite astuce et de fermer les portes quand ils sont bloqués quelque part. Bon, si vous avez pas besoin d'y aller, évidemment. Et comme ça, ça vous permet d'être vraiment très tranquille puisque lui, voilà, est bloqué indéfiniment. Alors, je vais éteindre la lumière. Et pour le moment, ce sera tout. Voilà. Donc le garde va essayer de la rallumer, mais il ne peut pas. Donc il va faire sa ronde. Et je vais en profiter pour l'électrocuter. Et ouvrir la porte, en plus, par derrière. Voilà. Alors, il m'indique que les gardes ne peuvent pas me voir quand je suis caché dans un ascenseur. Et bien sûr, à chaque fois, je me trompe, parce que pour sortir, il faut aller sur le côté. Voilà. Et donc, pour celui du dessus, on va procéder simplement. On va éteindre la lumière, enlever la possibilité de la rallumer, bloquer ce garde-là à gauche. Et lui, par contre, il faut qu'il sorte. Bon, on va déjà voir comment il réagit. À lui, s'en fiche. D'accord. C'est pas normal. Je suis un peu embêté. Bon, montons. On verra ce que ça donne au-dessus.
Il me voit pas. Bon, il m'a pas vu, ok, très bien. Parfait. Bon, je vais me casser directement. Ah non, c'était pas une bonne idée. C'était pas du tout une bonne idée. Bon, bah tant pis alors. Tu m'as cherché. Et voilà, nous pouvons partir. Voilà le travail. Voilà qui conclut notre affaire. Maintenant, la police n'a plus de lien, ne peut plus vous retrouver. Donc elle sera obligée de chercher le vrai tueur. Et si jamais ils ne le trouvent pas, je le ferai à leur place. Bien, j'apprécie l'aide, quelles qu'en soient les raisons. Et ensuite quoi? J'apprécie l'aide. En effet, ok. Voilà, comme ça c'est clair et net. Et ça c'est très abusant. Donc un innocent, voilà, un innocent nous appelle. Il dit « Bonjour, désolé de vous ennuyer. Je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ceci, mais je viens juste d'être arrêté pour un meurtre, alors que je n'y suis pour rien. Et donc j'ai utilisé le seul appel que j'ai pour vous contacter. J'espère que vous pourrez m'aider, Cathy. » Alors, ça demande le wirejack. Et enfin, voilà, je vais pouvoir vous montrer l'intégralité du gameplay. Donc, bon, on accepte la mission, de toute façon, on n'a que ça à faire. Ah, merci, merci de m'avoir répondu. Alors voilà, il y a aussi le début. Les objectifs secondaires, qui nous demandent ici de vérifier tous les petits ordinateurs. Alors, j'ai pas vraiment compris l'intérêt de l'objectif secondaire, parce qu'il ne donne pas plus d'argent, donc bon. Aucun problème, quelle est la situation? Pour cet argent, aucune enquête ne pourrait me faire m'en tenir écarté. Donc, quelle est la situation? Je m'appelle Cathy Collins. Je travaille à Rook, la compagnie d'armes à feu, et mon amie Selena a été tuée la nuit dernière. Quelqu'un a dit qu'il m'a vu là-bas, et toutes les caméras de sécurité ont... Enfin, toutes les vidéos de sécurité ont été supprimées. Ah, oh mince. Ah, c'est plutôt un mouvement fort peu agréable. Oh mince. Oh bah ça. Je sais. Et je n'étais pas du tout là-bas la nuit dernière, mais je vis seul donc, et je n'ai aucun moyen de prouver que je n'étais pas. Qu'est-ce que je peux faire? La personne qui m'a vu est le mari de Melanie Rooks, Jackson. Je n'ai pas envie de lui poser problème, mais j'aimerais que vous puissiez vous arrêter à son bâtiment et voir ce qu'il s'y passe. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Vous ne voulez pas lui poser de problème? Moi, j'aurais voulu plonger dans l'acide. Oui, nous devrions oublier... nous devrions pardonner toutes les personnes qui sont incluses dans cette affaire. Oh, de quoi vous avez besoin? Elle sera sûrement dans son bureau tout au-dessus. Si vous pouvez être assez proche et pouvoir écouter ce qu'il dit... Peut-être que vous pourrez entendre des indices ou quelque chose. Et ensuite, on le balance dans l'acide. Ah non, pas d'acide. Je veux juste savoir ce qui se passe. Ok. Merci beaucoup. Je déteste être un problème comme ça, mais j'aimerais vraiment me sortir d'ici. J'ai peur. Comment on sent? Et nous voyons que nous n'avons pas accès à tout ce qui se passe ici. Et donc, il faudra atteindre ceci pour débloquer, en fait, tout le reste. Donc là, bon, on n'a pas le choix, hein. On est obligé de connecter la caméra à la porte. Voilà. Et maintenant, bah, il n'y en a que ça à faire. Donc, on va hacker le wirejack vert. Et enfin, nous avons accès à tout le reste, qui nous permet donc eh bien, de pouvoir ouvrir cette porte-ci et de pouvoir déverrouiller cette porte. Et voilà, qui ira tout. Comme il faut. Merci. Alors il faut se méfier parce qu'on peut se prendre la porte dans le visage et donc être sonné pendant quelques minutes si jamais vous la faites vous ouvrir dessus. Ça peut être embêtant. Non, Intex a tout l'enregistrement téléphonique. Oui, merci Captain Insight. Je ne savais pas qu'il m'espionnait. Oui, on ne peut pas entendre un insecte. Bon, ça, c'est un jeu de mots avec bugging qui est mettre quelqu'un sous écoute.
c'est une blague. Oui, merci, je vous le ferai savoir. Il a l'air de pleurer. Bon, bah nous on a fini, donc on se casse. C'est pas que ça va faire. Tiens, et puis, alors ça c'est très intéressant aussi. Le fait que l'ascenseur arrive peut aussi être un déclenché des événements. Donc là, j'ai fait ouvrir la porte devant moi par l'ascenseur. Parfait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez entendu? Il a dit que la compagnie Intex enregistrait ses appels. Ah oui, c'est nos principaux rivaux. Une grande multinationale qui a ouvert juste à quelques bureaux, quelques pas d'ici. Quelques idées à propos de pourquoi Jackson a du problème. Ah, je veux pas savoir. Mais s'il essaye de m'incriminer, c'est sûrement qu'il est impliqué dans le meurtre de Selenas. Bon, alors on va continuer de creuser. Oui. Et aucune idée de pourquoi il serait sous écoute. Eh bien, Jackson dirige sa propre compagnie, donc il y a des raisons pour qu'il soit sous écoute. Ah, c'est vraiment le bordel. Merci pour avoir fait ça. Je pense que ce sera d'une grande aide. Fort bien. Écoutez-moi, vous m'avez payé 300$. Je suis très content et je peux acheter cet upgrade. Et je continue d'améliorer mon saut parce qu'on a que ça à faire. Et alors là, c'est voilà le petit tournant de l'histoire. Vous pouvez suivre Gessler ou vous pourrez suivre Rook au long de l'affaire. Alors il faudra faire quelques missions pour l'un ou l'autre, dans tous les cas. Mais au final, il y a voilà quelques petits changements scénaristiques qui peuvent s'opérer et une ou deux missions particulières pour chacun. Bon, on va pour l'instant continuer avec l'innocente. Ah, j'aimerais vraiment savoir ce qui a été enregistré. Je ne veux pas que Jackson soit arrêté ou quoi que ce soit, mais si les enregistrements prouvent qu'il m'a accusé à tort, eh bien alors je pourrais sortir d'ici. Ok, quel est le plan? Alors, Rook m'a dit une fois que Intex avait mis tout leur problème dans le bureau de Marlow Street. Si vous pouvez aller, les enregistrements devraient être dans le terminal principal. Hacker quelque chose, ok, merci. Alors, on nous demande d'avoir de faire de la violence minimale, donc de ne toucher personne. Ah là 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 là. C'est envisageable. Alors, si je débloque ça, je vais fermer la porte juste après. Enlever cette possibilité là. Oh, ça c'est parfait. Hop, on se casse. Essayer d'ouvrir, ça marche pas. Et on enlève celle-là, comme ça, tout est bon. On ouvre cette porte. Et au wirejack ici. Très bien. Donc on peut monter. Heureusement la porte est fermée, sinon elle m'aurait vu. Alors bon, c'est encore un autre ordinateur, très bien. Alors cette fois-ci, donc il faut. On enlève ça. Et après avoir ouvert la porte. Tu éteins le. Enfin, ah, hop. On saute. Maintenant, on débloque aussi celle-là, comme ça on est tranquille. Oulalalala, un peu trop hasardeux. Hop. Oui, non, trop tard, tant pis. Maintenant, il faut monter tout dessus, bon, très bien. Alors, on voit que le seul truc orange qui peut ouvrir cette porte, c'est ici, donc bon, bah, on va y aller. Alors, tant que j'y suis, je vais bloquer l'agent dans l'autre pièce. Voilà, comme ça c'est parfait. Il faut aussi. Non, c'était pas la bonne sorte. Il faut aussi ouvrir dehors, passer sous le faisceau. Hop, voilà, c'est ouvert. Et nous pouvons donc hacker le terminal. Et je n'ai frappé personne. Ce qui est, voilà, petit objectif secondaire qui rajoute beaucoup de challenge hein, quand même. Sur certaines missions, c'est compliqué de toucher personne. Vraiment compliqué. Très bien. Vous avez trouvé? Moi, bon, c'est parti, j'ai peur que le serveur ait été effacé. Ah, peut-être ça doit sûrement être Jackson qui a essayé de se connecter avec l'IP de Rook. Si vous m'envoyez l'IP, je devrais pouvoir savoir de quel bureau cela vient et peut-être que nous pourrions aller là-bas. Très bien. Alors, je vais faire donc la dernière mission pour cette vidéo. Bon, bah, tout va bien. Donc, la prochaine achat, c'est vraiment ça, hein, si vous avez quelque chose à faire.
C'est vraiment intéressant de pouvoir passer au travers d'une vitre sans faire du bruit. Et ça sera certainement très dangereux. Donc je suis d'accord si vous ne voulez pas y aller. C'est ma dernière chance et cela ne marchera seulement que si l'enregistrement est ce que nous espérons. Ah mais... vous venez de faire trois phrases sans point d'exclamation. Qu'est-ce qui ne va pas, Cathy? Ou sinon c'est bon pour moi. Encore violence minimale. Ah là là, dur dur. Ah c'est juste que j'ai peur. J'ai aucun alibi. Je suis la seule personne qui pourrait avoir effacé les sauvegardes. Et les paroles de Jackson comptent beaucoup. Pour un tribunal. Pas pour elle. Je ne veux pas avoir de problème pour une cause perdue. Ah, ce n'est pas une cause perdue pour le moment. Mais à un certain point, oui, peut-être que ce sera totalement perdu. Je ne veux pas être avoir de problème. Les problèmes sont... Bon, ok, ça va nulle part cette phrase. Et bon... Crotte. C'est pas encore perdu. Voilà, comme ça, on la réconforte un peu. Cette pauvre innocente. Alors, nouvelle mécanique. Donc, les gardes renforcés qui ne peuvent pas être... On peut pas leur sauter dessus et leur mettre un pain, ça marche pas. Alors... Donc on voit que là c'est des glaces qui pourraient se casser. Alors le problème c'est que si jamais vous cassez la première, en fait ça casse toutes les autres et du coup ça fait un peu le bordel. Et lui arrive, alors bon, c'est pas très intéressant. Non, on va plutôt ouvrir cette porte-ci. Bon, c'est quand une fois qu'on s'est caché quand même. Sinon c'est un peu tendu. Voilà, on enlève, très bien. Non, d'ailleurs j'ai envie de passer au-dessus. Ah merde, ça a pas marché. Bon, sinon on passe là. Oui, on va passer par le bas, c'est mieux. Je préfère. Voilà, on a éteint. Hop. Donc il va essayer, ça marche pas. Je désactive l'autre aussi. Fort bien. Voilà. Ma foi, tiens, hop, on ouvre ici aussi, comme ça c'est fait. Un ordinateur, très bien. Alors, on peut monter tranquillement, mais il faut arriver là-bas d'abord, sinon, oui, on ne pourra pas ouvrir la porte. Donc on va redescendre, et on va aller s'amuser avec le garde. Allez, avance petit, voilà, très bien. Alors, on peut aller éteindre la lumière. On désactive. Oh mais ça c'est con. Ça c'est très con. Voilà, puis du coup l'autre vient aussi. Ouais non, ça c'était très con de ma part ça. Bon. Bon ok, c'est passé. On relie la sonnerie de l'ascenseur à la porte. Comme ça on peut avancer là-dedans. Voilà, et donc maintenant on peut ouvrir cette porte-là, ouvrir l'autre, éteindre la lumière aussi, juste pour faire chier, non ça ira. Voilà. Il faut encore ouvrir celle-ci, et ça c'est facile. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à aller tout au bout. Ouais, on va peut-être attendre un peu. On va passer par le bas, ce sera mieux. Passons, passons, passons. Bon, on attend parce que les portes, c'est pas comme les ascenseurs, on arrive direct devant eux. Ah merde, là c'est ouvert. Ah, je suis con. Je suis très con. Bon bah tant pis, on refait tout le tour. On remonte. On éteint cette lumière là. Voilà, comme ça l'autre. Voilà, voilà. En fait, il fallait le faire depuis le début. J'ai hésité, c'est débile. Ah, est-ce que ça passe? Ah non, ça passe pas là. Faut que j'attende un peu. Bon, c'est bon, ok. Hop. Hop. Voilà, parfait. Merci. Et voilà le travail. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Hop. Hop. Et voilà. Impeccable.
Et voilà, et bien ce sera tout pour la présentation de Gunpoint. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera éventuellement envie d'y jouer. Il est vraiment pas cher, il a des promos, il peut être trouvable à 1,50€ si vous êtes là au bon moment, donc vraiment très intéressant. Et puis bien je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à me donner des idées de jeu, à me donner votre avis sur la vidéo. J'ai aussi ajouté dans toutes les vidéos, dans les descriptions, le lien pour la page Facebook, le Twitter et le groupe Steam. Voilà, si jamais vous avez envie de me suivre par d'autres moyens. Bien que pour l'instant, je ne fais que poster aussi les vidéos que j'ai postées. Donc voilà, mais bon, éventuellement un jour. Voilà, voilà. Et bien donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.